nous allons le départ réel là au panneau. Ouais. Donc c'est parti pour le départ réel. C'est l'attaque. Ça y est, l'attaque du Toy Chez. C'est parti mon Guigui, j'avais dû dire. Qui nous avons en première? Au début ils étaient 13, il y a eu un forfait, un ballon de haut qui a cloué Bonbon le français. Voilà. Cloué Willy. Voilà. La dernière sonomie, il n'a pas apprécié. Non, ouais. Il a pas. C'est dommage, j'ai été sponsorisé par Haribo. Ouais, beaucoup de pédales, beaucoup de pédales. Mais ça sert de deal un peu quand même. Hein. Oh là là, c'est super. Ça va faire un bon temps. Ouais, temps. C'est vrai que le canard, ça donne quand même un beaucoup de canne. Il a fait du mal, il a choisi un bon braquet, il est tout seul là-bas. Il a déposé, complètement déposé. Il a fait une rupture. Il a fait un trou à la fignon, je trouve. Il a fait le trou fignon, je pense. Et d'abord, donc, le japonais. Oui, le japonais. Vous savez pourquoi il aimerait être réincarné en cheval? Ah non, parce que, tout simplement parce qu'il est des japonais. La finlandaise. La finlandaise. Heureuse d'être là aujourd'hui. De toute façon, il faut laisser Lucifer. C'est tiré, c'est tiré. C'est le départ de Thomas, donc notre ami Yen, premier député sur le critérium de mon gros braquet. Gros braquet, voilà. Voilà. Donc, bien, c'est un ami qui me veut du bien. Concurrente numéro, avec le dossard numéro 10. Donc, une, tout à fait. Lucie, tout à fait, donc le finlandaise, qui vient de Finlande. Voilà. Vous savez pourquoi elle est finlandaise? Parce qu'en fait, elle vient de Mont-de-Marsan. Et qu'elle n'est pas très épaisse. Dossard numéro 9 qui va passer. Il passe au intermédiaire, voyons. Intermédiaire. Attention. Il passe en première position. Oh, eh oui, bon. Parce que les tons, c'est bon. Il passe sur le point intermédiaire en première position. Exposé, le temps. J'ai envie de dire GG, oui, tu l'as. Il se rattrape, il vient, il se place bien. Voilà, Camille prend la roue. Il suce la roue, hein. Tu l'as suce ce matin? Peut-être la course se balade, c'est la pleine descente. Attention les voitures, attention. On ne dit jamais trop assez, la sécurité avant tout. Ne traversez pas surtout aussi. Et ne touchez pas les coureurs. Ne touchez pas. Il faudrait surtout les aider parce qu'on n'est jamais trop aidé dans la vie. Hein. C'est pas faux. Il a très bien parlé. Hein. Il parle très très bien le français. Il a fait de gros efforts. Il a appris en fait dans le pays du patois. Voilà, dans le pays du patois. Ça me dit que, ben, un arrière, c'est bon, hein. Un arrière, c'est pas toi qui lui as appris à parler. Ah, pour en revenir à GG, oui, là, comme disait Coubertin, l'essentiel, c'est de partir pisser, de toute façon. Regardez GG, ce malin, il a fait croire qu'il faisait son malin, pipi. Malin comme un singe, j'allais dire, et je dirais même, plus le singe monte haut dans l'arbre, plus on voit son cul, moi, je dis. Alors GG, il est en train d'accélérer, la fois. Kikimu, alors c'était un coureur qui n'est pas très connu dans le circuit. Il nous vient tout droit du Guatemala. Du Guatemala. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu mon latin. On peut se faire des quelques routages quand même. Voilà. Rappelons qu'au Tonga, il n'avait pas de vélo, il a commencé par le skateboard. Tant que ça roule, fonce. Il fonce. Voilà. Souffrir. Ils ont souffert. Ça a dû transpirer, ça a dû mouiller le maillot. Je veux dire, avoir la ridicule qui faisait vous tirer. C'est vrai qu'elle est de Mont-de-Marsan, justement. Non, c'est juste pour le fait. Ouais, c'est le finlandais. Oui. Thierry, tu blagues? Non, aujourd'hui je suis. Et on fait mieux encore! Ouais, c'est taqué, 100% taqué, 100% adrénaline aujourd'hui, mon cher Bruno, pour cette course magnifique. Sous un soleil de plomb, rappelons que c'est la saison des figues. Il passe au temps intermédiaire. Le temps intermédiaire pour lui, il n'est même pas relevé tellement qu'il a été mauvais. Si, la première candidate féminine qui s'en va. Il est passé premier. Non, ça y est, elle est repetit. Hein? Il est passé premier. Qui? Ménèche? Ménèche. Et non, on l'a pas vu. Ici. Ça, ça... Camille. Camille qui va passer.
est à 7ème, qui est très très loin, 6 secondes. C'est de biscotte. Pour une personne qui a changé de sexe, c'est quand même pas mal. Son proverbe préféré, rien qui roule n'avance pas mousse. Ah, et surtout, la mousse fera boire. C'est un sport de pédale, je veux dire. Voilà. La pédale est en main. Rien à voir avec le rugby. Je demande le pédale. D'ailleurs, j'ai passé la scène dans les couloirs des coureurs. Il est parti. Son proverbe principal était ne regarde pas la marque, pédale. Quel beau vidéo. Après ça, vous pouvez le micro à la caméra. Ma femme m'a répondu. T'as pensé à moi? Si, si, si. Ça se fait automatiquement, je crois. Dès qu'il fait comme la première fois, dès qu'il se coupe. Vous pouvez. Petit caillou. Plus ou pas? Oui. Ça va. Je voulais pas que soit pris un flagrant délit de consommation. Surtout que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Je ne pensais pas que le Toygien va venir embêter Biscotte. C'est Toy jamais, c'est Toy jamais. Il est assez lourd dans la descente, l'inertie du poids, au niveau. Bon, c'est l'attaque de virage peut être très importante. J'espère qu'il a changé ses paquets. Je sais pas, je. Quelque chose. Des anecdotes. Est-ce que les coureurs ont mis dedans? Oui. Si le départ réel sera dans 300 mètres, donc on peut donner par le directeur de course, hein. C'est voilà. Lui qui agitera le tableau, qui agitera le drapeau. Il agite ce qu'il veut, mais. Écoutez, s'il agite quelque chose, c'est oui, que ça. Oh là là, mais vous voulez passer un métier, c'est pas possible. Enfin, donc Thomas, ah mais on va laisser enchaîner, c'est la fête. J'aurais dû regarder ça. You are the one for me, for me, for me, formidable. C'est formidable. You are my love. C'est formidable. Aujourd'hui, la course. C'était ça, voilà, okay. Là, on refait du début. Ouais, ouais. Donc voilà le classement final. Mon cher Bruno, je vous rappelle. De ce contre-la-montre. Le contre-la-montre de. Combien de kilomètres? 35 centimètres. 0,9 Camille, numéro 3, la Pérouvienne. Bruno, un petit mot sur ce candidat? Ah, écoutez, elle excelle dans. Là j'allais dire c'est la fille cachée de Jamie Lambert. Pérouvienne. Voilà. Alors letton, lettonien, c'est le débat aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire letton c'est bon.
Allô? Je ne vous entends pas, j'ai le casque devant le téléphone. D'accord. Je te donne le casque. A mon avis, j'ai pas eu le temps de sortir parce que vous arrêtez pas de parler. Mais... je voulais dire qu'il voulait être réincarné un cheval puisqu'il est déjà paumé. J'ai pas réussi à le placer quand même. Mais ça c'est sûr, hein. Il y a trop plein. Il est parti d'abord trop plein. Voilà, donc là c'est l'arrivée du... C'est là pour Tessonnier. C'est Bernard. Bernard. Je suis promis. Thierry, tu fais quelle colonie quoi. Ouais. Numéro 10, finlandaise Lucie. Et tout à fait, ça. Donc une finlandaise... Pardon, Thierry. Elle est de mon bassin. Putain, il faut le retard. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il exulte. Il exulte de joie. Il éjacule de bonheur. Ça fait du plaisir. Voilà. C'est clair que vous aussi, chez vous, vous avez pris autant de plaisir que nous. D'ailleurs, il faut que j'aille changer mon pantalon parce que j'ai pris trop de plaisir. Si je suis allé trop loin, là. Je suis désolé. Heureusement que ça se voit pas, l'antenne. Mon cher Thierry, c'est tout à votre honneur. Voilà, donc ça débat, ça... Ça débrief, hein, le directeur de course appelle la direction pour voir un peu le classement. Ça irradie de jovialité. J'avais vraiment la barbe difficile, quoi. Non, mais ça a poussé, du coup, j'ai dit pourquoi pas laisser. Voilà, Petrolane. C'est Petrolane, mon cher Bruno, il n'y a que ça de vrai, Petrolane. Hein. Regardez, mon cher Thierry. Il se frotte sur les pattes, quand même. Voilà. Il se frotte bien le crâne tous les jours et ça pousse tout. Oh, mais bon, c'est une bonne marque. C'est pas le moment de l'aller taquiner, là, je pense. Ah non. Là, il éjacule de colère. Ah là, il crie. Il crie son malheur. Bichotte. Voilà. Je pense que elle était beaucoup plus loin que ça, je pense. C'est pas faux. Je pense qu'il pensait ça. C'est ce que tu penses. Je pense. Ah, tu le penses. Oui, je le pense. De toute façon, au revoir. À demain. Au revoir, les loups. Sortez couvert. On va faire un pique-nique.